Bonsoir, super contente d'être avec vous ce soir pour vous faire un petit concert. Ça va être un court concert de quatre pièces, mais c'est vous qui avez choisi quelle pièce j'allais jouer. Donc, dans le sondage, la pièce qui est arrivée, bonne première quand même, mais assez proche avec la deuxième, très très proche. En fait, des fois, elle s'entre-dépassait. C'est Morning Has Broken de Cat Stevens, une pièce qui a été composée en 1971. Donc, ben, c'est par celle-là que je commence, c'est celle-là que vous avez le plus demandé. Donc, la voici. La deuxième pièce que je vous joue ce soir, c'est elle qui est arrivée au troisième rang, en fait, dans le sondage. C'est une pièce classique là, qui est souvent apprise par les pianistes au cours de leur apprentissage. C'est la valse en la mineure de Chopin. Ça a été composé en 1830 par Chopin, mais chiffré, là, noté, l'opus a été numéroté après sa mort. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est un opus posthume. Thank you.
Ah, c'est tellement beau cette pièce. J'espère que vous avez du plaisir. J'espère que ça vous relaxe. J'espère que vous pensez à d'autres choses pendant que je joue pour vraiment vous apporter un moment pour vous finalement. C'est ce que je souhaite avec cette petite vidéo. Et ma troisième pièce, écoute, c'est celle qui jouait là avec la première. Vraiment souvent, à chaque fois que je regardais là, les résultats du sondage, une devançait l'autre. Donc, c'est He's a Pirate de la trame sonore de Pirates des Caraïbes, le premier, le film qui est sorti en 2003. Dans le sondage, j'ai écrit que c'était par Hans Zimmer, mais je crois bien que c'est Klaus Badelt qui a composé cette pièce-là. Donc, ils étaient les deux à travailler sur la trame sonore, là, puis celle-là est de Monsieur Badelt. Avec une pièce qui m'a été suggérée par quelqu'un dans les choix, dans les autres là, du sondage. Donc, ben, je n'ai pas pu résister, là. C'est une pièce vers laquelle mon cœur a penché trop facilement. Effectivement, ça me rappelle mon adolescence. Ça a été composé en 87 par Guns N' Roses, November Rain. Évidemment, moi, je l'ai écouté plus tard, là, dans les années 90, bien sûr. Mais il reste que c'est une pièce que j'ai beaucoup aimée, beaucoup écoutée. Là, moi, je suis pas une chanteuse, là, donc je vais pas chanter. Je vais vous jouer la partie de piano. Mais tous ceux qui veulent chanter, qui veulent jouer du drum avec moi, ça va me faire plaisir. Donc, Stéphane, ben, c'est pour toi, November Rain. Thank you.
Super, ben merci beaucoup d'avoir été là. Ça conclut mon petit concert pour faire du bien, tout simplement. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Si oui, laissez donc un petit like en dessous de la vidéo, ça serait vraiment super. Puis, ben, vous pouvez venir me voir sur Piano Boulot Dodo pour plus d'infos sur le piano, des fois que ça vous intéresse. Bonne fin de soirée!